Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo sur les stickers pour te montrer comment je les fabrique, mes conseils. Il faut juste savoir que ça fait pas longtemps que j'en fais, ça fait depuis à peu près septembre, donc il faut prendre mes conseils avec des pincettes. je suis loin d'être un pro du stickers, mais en tout cas, j'espère que ça va t'aider si tu as envie de te lancer dans la fabrication de stickers, si tu as envie de savoir comment faire. Sache que j'ai commencé avec juste une imprimante, du papier et même pas de machine à découper, donc on peut vraiment faire avec pas grand-chose et de la qualité. Et j'espère que ça te servira. Voilà, pour moi les stickers c'est un des trucs les plus cool à faire après les prints quand on veut imprimer ses dessins. Donc j'espère que ça pourra t'aider. Pour faire des stickers, au début, il faut déjà savoir quoi dessiner. Et pour cela, j'ai quelques petits conseils. Tout d'abord, je fais attention à déterminer qui est mon audience et ce qu'elle pourrait aimer. Si vous avez déjà une présence sur les réseaux sociaux, ça aide parce que du coup, si par exemple vous faites souvent des dessins de chats et que c'est ce qui est le plus populaire sur votre compte, votre audience va s'attendre à revoir ça, à le voir sous d'autres formats, par exemple le format de stickers, et aura plus envie de vous soutenir car elle vous aura sûrement suivi pour vos dessins de chats. C'est pas forcément une règle d'or, hein. Si ça se trouve, vous allez faire les stickers là et personne ne sera intéressé, mais c'est vrai que ça peut déjà donner une idée de vers quelle direction prendre. Dans tous les cas, que vous ayez une présence sur les réseaux ou non, il faut faire ce qu'il vous plaît. Faites ce que vous aimez et ça se ressentira. Par exemple, moi j'adore faire des fanarts de mes shoujo préférés et au début je pensais que ça intéresserait personne. Et en fait, je pense que mon amour pour ces mangas se ressent. Et que ça permet de toucher des personnes qui eux aussi aiment ce genre de manga, donc c'est trop trop bien. Vous pouvez également faire des sondages sur Instagram ou sur tout autre réseau que vous utilisez. Ça peut aider, vous pouvez demander tout simplement aux gens qui vous suivent qu'est-ce qu'ils aimeraient voir en forme de stickers, ça peut totalement aider également. Une fois que j'ai une petite idée de ce que je veux faire ou non, en général je commence par faire des sketchs de toutes mes idées dans mon sketchbook. Pour m'inspirer, je peux penser à ce que j'ai déjà dit tout à l'heure par rapport à l'audience, mais en général, je vais beaucoup sur Pinterest. Des fois, si je suis motivée, je fais même des moodboards qui pourront m'inspirer. Je passe beaucoup de temps sur Pinterest. Vous pouvez aussi, quand vous avez passé du temps sur les réseaux, essayer d'enregistrer les dessins que vous aimez, des idées de produits que vous aimez beaucoup. Ça peut aussi vous inspirer par la suite. Une fois que vos sketchs sont prêts, par exemple, moi ici, j'ai fait des petits dessins de chats. Je suis restée très très simple. Vous pouvez soit le prendre en photo, soit n'hésitez pas à scanner vos dessins si vous avez un scanner. Ça vous aidera à rendre le dessin final le plus proche de ce que vous avez en tête. Personnellement, j'ai toujours la flemme de faire cette étape, mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Ensuite, une fois que j'ai réalisé mes sketchs, je passe au digital. Personnellement, j'utilise Procreate. Vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de dessin, Photoshop, ce que vous voulez. Sur Procreate, je crée un fichier de 2000 par 2000 pixels avec une résolution de 300 dpi. Pourquoi je prends une aussi grande résolution? Tout simplement pour que la qualité d'impression soit meilleure. Vous pouvez aussi prendre beaucoup plus élevé que 300. C'est juste que je n'ai pas envie que mes fichiers soient super lourds parce que mon ordi est un peu vieux et a du mal à supporter. Donc en général, c'est ce que je prends. Ensuite, une fois que vous avez importé le sketch, en général, perso, je refais un deuxième sketch par-dessus. Je fais le line avec un brush très simple et je choisis mes couleurs. En général, si vous ne savez pas comment choisir les couleurs, vous pouvez vous aider de palettes déjà préparées. C'est que j'utilise beaucoup Adobe Color ou alors sur Pinterest, vous avez aussi des palettes de couleurs. À la fin, je retouche toujours mes couleurs avec soit des filtres sur Procreate directement, overlay, multiply, ce genre de choses, soit directement dans Photoshop, j'ajuste la saturation, les contrastes. Une fois que vos designs de stickers sont finis, il faut les préparer à l'impression. Donc si vous avez déjà fait tous les réglages, saturation, contraste, etc., vous pouvez passer à cette étape. Déjà, il faut les importer dans un nouveau document. En général, je travaille sur du A4 en format portrait, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple pour les imprimer. J'importe ensuite mon design de sticker et j'essaye de le caler à la bonne taille. Pour ça, vous avez un onglet qui permet de mettre à la taille actuelle sur Photoshop, Actual Size, et ça aide beaucoup à me donner une idée de ce à quoi ça va ressembler en vrai. Et ensuite, j'essaye de caler le maximum de stickers sur une page pour essayer de gâcher le moins de papier, tout simplement. Ensuite, une fois que vous avez tous vos designs bien placés sur la feuille, soit vous pouvez imprimer ça tel quel si vous découpez à la main, soit il faudra importer ce fichier dans votre logiciel de découpe. Alors, personnellement, j'utilise Silhouette Portrait 3 comme machine, donc j'ai le logiciel Silhouette. Il est super chouette, je sais que beaucoup de gens utilisent également la Cricut, mais j'avais lu pas mal de reviews négatives sur cette machine,
Donc j'ai préféré prendre la silhouette, en plus c'était moins cher. Donc pour moi c'était le combo parfait. Donc là, une fois dans mon logiciel, j'importe le design que j'ai fait sur Photoshop. J'essaye de le faire rentrer dans les repères en fait, de découpe. C'est les petits carrés qu'il y a aux quatre coins de la feuille. En fait, ça va être l'endroit où la machine découpe tout simplement. Donc il faut essayer de rentrer vos stickers là-dedans, sinon ça ne va pas prendre. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur l'onglet avec le petit papillon tout à droite et je sélectionne Trace Area. Donc en fait, ça va être la zone de découpe encore une fois. Je sélectionne ça et tous mes petits stickers apparaissent en jaune. Pour sélectionner plus ou moins d'espace, vous pouvez régler ça sur Threshold et sur l'endroit juste en dessous. Ça permet de régler ce qui va être pris ou pas en compte par le logiciel. Et une fois que ça c'est bon, moi je clique sur Trace Outer Edge et du coup ça va créer une toute petite ligne sur le contour de mon stickers. Donc c'est vraiment une ligne toute collée à votre design, donc il faut un peu zoomer. Vous cliquez dessus et après vous allez sur la petite étoile dans la barre de droite encore une fois et vous cliquez sur Offset et là ça va faire en fait la bordure du stickers. Vous pouvez le régler plus ou moins dans l'onglet distance pour avoir une bordure plus ou moins épaisse, donc ça il faut voir en fonction de ce que vous voulez. Et une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez avec deux traits. Le trait que vous avez fait dans le petit papillon et le trait que vous avez fait dans l'étoile. Il faudra supprimer celui que vous avez fait dans l'onglet papillon, c'est-à-dire celui qui est collé à votre design, celui qu'on voit pas beaucoup. Parce que sinon, en fait, votre machine, elle va le prendre en compte également à la découpe et elle va découper aussi cet endroit-là. Croyez-moi, j'ai de nombreux stickers qui sont morts comme ça parce que j'ai oublié de la supprimer. Souvent, ce qui peut arriver, c'est que, également, lors de la sélection dans l'onglet papillon, il y ait plus ou moins de choses qui sont sélectionnées. C'est-à-dire que la bordure qui va être créée après dans l'étoile, elle ne sera pas exactement comme vous voulez. Dans ce cas-là, pour modifier le trait, vous cliquez dessus et à un moment, vous allez entrer dans le mode point. Et en fait, là, comme vous le voyez, ça va mettre des points sur toutes les lignes et vous pouvez enlever les parties qui vous embêtent, les parties que vous voulez modifier, vous pouvez cliquer sur le point pour ajuster, ça aide de ouf. Et si vous avez des endroits, des fois j'ai des endroits qui sont pas du tout sur mon sticker, qui sont sélectionnés, vous pouvez aussi les supprimer comme ça. Une fois que tout est bon, vous pouvez imprimer votre feuille. Donc là, je vais dans l'onglet imprimer, et ce qu'il faut faire attention, c'est la qualité de votre impression. Pour le papier, j'utilise le type de papier Glossy Premium, tout simplement parce que mon papier est brillant. Et pour la qualité d'impression, je choisis la qualité la plus haute pour que mes stickers soient de super bonne qualité. Faites attention, sinon vous allez vous retrouver avec une qualité pas trop ouf. Pour mes stickers, j'utilise un papier qui est le papier Koala sur Amazon. Il est vraiment super chouette, c'est un papier brillant. C'est pas le meilleur du marché, il est un peu cher, mais il fait très bien le taf. Moi, je suis trop satisfait de mon papier. Si jamais vous avez choisi la découpe à la main, vous pouvez également prendre votre feuille de stickers et découper tout simplement les contours à la main. Ça peut rendre super joli. Moi, ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça, donc c'est très très moche, mais si vous y prenez plus de temps, ça peut rendre vraiment vraiment bien. C'est juste que pour des grosses quantités, c'est pas pratique. Et une fois que c'est imprimé, vous pouvez les laisser sécher un petit peu sur le côté, comme ça vous êtes sûr que l'encre ne bave pas, et le résultat est super chouette. Vous pouvez aussi, avant de découper vos stickers, les rendre waterproof ou holographiques avec des feuilles de plastification. Moi j'utilise celle-là de chez Amazon, ici je ne voulais pas montrer tout simplement parce que je n'en ai plus, mais en fait normalement elles sont adhésives et elles se collent directement par-dessus votre feuille de stickers. Je vous mettrai également une vidéo pour la technique en dessous dans la barre d'infos. Donc là je sors ma machine de découpe silhouette et je la mets en place. Il faut que je mette la feuille de stickers sur ce tapis transparent, il est censé être adhésif. Et maintenant que c'est plus adhésif du tout, je mets du scotch double face en haut et en bas pour que ma feuille tienne bien, mais c'est pas incroyable comme technique. Ensuite, vous retournez sur le logiciel silhouette et vous allez envoyer la feuille à la découpe. Donc pour ça, vous allez déjà dans l'onglet ligne, et là vous allez voir la ligne rouge qu'on a créée en fait dans le logiciel. Et grâce à cette ligne, on va voir où est-ce que la machine va découper. Donc faites bien attention à ça, ça permet de double-checker votre design. Et voici mes réglages. J'utilise une force et une vitesse assez haute. Tout simplement parce que là, je n'ai qu'une découpe tout autour du sticker à faire. Si je faisais une planche de stickers, par exemple, mes settings seraient différents. Donc, une fois que c'est bon, je l'envoie à la machine et la machine découpe. Magnifique. Et voilà ce que ça donne. La machine a découpé mes petits chats. Il y a quelques chats qui sont morts au combat parce que mon matelas n'est pas très adhésif, donc des fois ils se prennent dans les rouages de la machine. Mais je suis trop content en fait du résultat, j'aime beaucoup trop cette machine, elle est trop cool.
J'ai toujours rêvé de faire mes stickers moi-même, donc c'est vraiment un rêve d'enfant qui se réalise. Donc voilà, normalement à partir d'ici, vos stickers sont terminés. Si jamais vous ne voulez pas faire les stickers à la maison, il y a plusieurs alternatives. Tout d'abord, vous avez déjà les fournisseurs chez qui vous pouvez produire vos stickers. Donc vous avez juste à créer le design et après vous payez et ils vous les envoient. Donc vous avez, j'ai beaucoup utilisé Sticker App à un moment, bon c'est pas le mieux, mais ça faisait très bien le taf, la qualité est super. Vous avez également Vistaprint qui fait aussi très bien les cartes de visite, je les prends toujours là-bas et elles sont super chouettes. Je sais qu'il y en a plein d'autres, il y a aussi Eloprint par exemple, mais je les mettrai aussi dans la barre d'infos. Et en dehors des fournisseurs, vous pouvez également aller sur des plateformes qui vont non seulement créer le stickers pour vous, mais qui vont aussi gérer l'envoi et la promotion, comme Redbubble par exemple. Moi je conseille pas trop parce que la marge vraiment qu'ils se prennent est énorme. mais si vraiment vous avez pas envie de vous prendre la tête, que vous voulez juste dessiner un truc et après le mettre sur internet et hop c'est la plateforme qui s'en charge, c'est grave pratique. Quand j'étais ado, j'ai commencé à faire comme ça et j'ai gagné mes premiers 2-3 euros avec mes stickers grâce à ça et c'était vraiment trop bien. J'espère que la vidéo t'a plu, que tous mes petits conseils t'ont aidé. J'espère que la fabrication du stickers est plus claire pour toi. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Et puis si tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à aller voir mon shop ou alors à aller voir mon Patreon où je fais des récompenses tous les mois. Le mois prochain, c'est pour la Saint-Valentin, donc ça va être trop chouette. trop bien, voilà. J'espère que ça t'a plu et puis à la prochaine.